Non, moi, je dirais vraiment de ne pas hésiter. C'est une opportunité fantastique pour les PME de mutualiser des ressources. C'est des choses, enfin, une community manager, j'aurais jamais pu le permettre si ce n'était pas au travers de Joe Bardon. Nicolas Jacquemin, je suis le directeur de Bekaes, une société basée à Lambermont, Verviers, qui produit des couteaux industriels. Bekaes utilise principalement deux services. Le premier, c'est le groupement d'employeurs. Nous avons eu l'occasion d'engager une community manager. C'est super intéressant pour nous dans la mesure où ça nous permet d'acquérir des profils très très pointus, mais seulement un jour par semaine parce que je n'en ai pas besoin de plus. Le deuxième, c'est les tables de discussion Oxygène avec Pascal Van Dieren, qui est une plateforme de dirigeants où les dirigeants peuvent échanger et partager leur expérience. Joe Bardon, donc c'est un groupement d'employeurs qui vous permet de mutualiser des ressources. Donc on est régulièrement approché par le responsable de Joe Bardon qui nous dit, ben voilà, si vous souhaitez, j'ai ce profil-là, ce profil-là, ce profil-là, qui sont intéressés par travailler avec Joe Bardon. Et le contrat se fera entre Joe Bardon et le candidat qui a été sélectionné à partir du moment où on peut remplir un 3/5, donc 3 journées de travail pour la personne sur la semaine. Le plus dur au niveau de Joe Bardon, c'est de s'uniformiser entre les 5 employeurs qui utilisent une personne et de bien s'assurer qu'on a chacun la même vision et qu'on partage donc les mêmes attentes, les mêmes objectifs et les mêmes valeurs aussi, dans la mesure où la personne doit pouvoir se situer aussi dans la continuité. Et ce n'est pas évident, peut-être pour la personne qui travaille chez 5 employeurs différents, d'avoir d'un jour à l'autre une entreprise avec une culture d'entreprise qui est complètement différente. Le plus agréable et le plus facile, c'est quand même de voir partager les expériences. Donc même si au début on n'est pas spécialement d'accord sur tout, je trouve que c'est toujours très enrichissant de pouvoir confronter son point de vue à d'autres dirigeants qui ont une réalité qui est peut-être similaire ou parfois différente. Mais dans tous les cas, leur idée est bonne à prendre et leur avis est souvent pertinent et permet de se remettre en question également. Je pense que les gens ont été très contents et très positivement surpris aussi de l'effort de communication qui a été fait chez Bekaes depuis le début de ce partenariat avec Joe Bardon. Et que pour l'ensemble des personnes aussi, c'est très valorisant parce que maintenant ils peuvent mieux expliquer, mieux documenter ce sur quoi Bekaes travaille tous les jours au travers des différentes plateformes, Facebook, LinkedIn et autres. C'est vrai que je suis quand même systématiquement très heureux de voir les likes qui montent sur notre page LinkedIn ou des photos ou ne fût-ce que des clients qui parfois donnent un retour en disant « c'était sympa votre dernier poste » ou même d'autres collègues entrepreneurs qui disaient « ben franchement, chapeau chez Bekaes, vous avez fait un chouette effort de communication, c'est sympa ». Ça me nourrit très très fort.